plusieurs rencontres qui étaient faites entre Premier ministre Ariel Henry et chef BSA Magali Komodeni. Tout le monde a pensé que tout le bagaille était bien passé. Dialogue d'après l'abouti, d'après le consensus. Eh bien, Premier ministre, Livo et Madame Nanlé, Libli a attrapé. S'attendez à la réaction qui a sorti dans différents camps politiques, différents secteurs, tout le monde a parlé sous décision Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, je ne vais pas cacher, dis-nous, réaction a sorti ça et là. Eh bien, gagné Don Gato qui prend position, gagné Echille Ludor qui prend position. Donc là, nous trouvons dans une situation, nèg yo mette sous table une nouvelle formule. Et des formules, des déclarations, M. Sayo, gon ensemble de messages indirects décryptés. Jodi an la, peuple haïtien doit comprendre côté insécurité en sorti, yo doit comprendre côté violence en sorti. Eh bien, rete la m'bral bo tout détail, toute information dans un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TAC 509, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un grand plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat, mais surtout, là pour nous venir là, pour nous débattre. Sous des décisions politiques que nous allons prendre dans la République, ah mon cher, nous ne pas perdre du temps. Parce que là, nous vivons un moment difficile en Haïti, nous avons comment insécurité à faire rage. Autant des directeurs généraux de douane en Haïti, autant des dossiers sous dos comme nous avons fait trafic d'armes, comme nous avons fait corruption, ULCC fait des sept la CAELI, PNH, BLTS. Et malgré ça, on n'a aucune disposition qui pourrait pas avoir côté la justice. Est-ce que nous comprenons dans quelle réalité nous sommes dans le pays? Donc, tout le bagage, ça, c'est des intérêts politiques qui visaient. Donc, nous obligés de faire le point, nous obligés j'ai mette tout point sous tête yo pour nous dresser nèg yo pour yo pas prendre nous dans maniguette pour yo pas ba nous bluff et dans quatre projets et fête des mères là m'a annoncé nous là nous avec une cinquantaine enveloppes nous avec une cinquantaine enveloppes et gagne différents amis qui yo même yo te promettent que y a venu participer dans projet là m'a profité et un big up pour Grégory Baron qui lui même et l'idée dit bon Yannick pas de problème la pour 20 enveloppes donc là m'a tant nous Grégory m'a tant nous passer les Yannick pour dire bon OK tout est prêt tout est fin prêt et gagne David Zassof Moringa qui c'est un allié dans tout projet qu'a fait yo donc David beaucoup dans d'eau beaucoup de plus minutes, beaucoup de James et aussi. Donc, mon sao, c'est des alliés sûrs par rapport avec initiative qui toujours apprend pour supporter monde, par rapport avec les projets qui toujours et mettez campé pour supporter monde. Pas qu'être l'autre ami, même l'homme pas cité non, c'est pas que m'baron non, non. On a lissé. Donc, m'apprend nous relais écrit. Et bon, si bon ami tout qui a dit, bon, y'en a pas de problème. 50 enveloppes. Ah, si ça m'a géré. Bon, sponsorise 50 moun, c'est encore mieux puisque le ça a bien plus moun kap ka bénéficier, plus moun, plus maman, plus femme kap ka participer. Donc, actuellement, $25 US ou bien 2500 goud, ou même qui voulait aider projet, ou même qui voulait participer, 29 mai kap venir là, d'ailleurs, c'est la dernière ligne droite, semaine. L'histoire s'est commencé là, c'est la dernière ligne droite et d'ici vendredi, faut que tout bagaille set-up, faut que tout bagaille pare. Donc, maintenant, 3896, 3819, ou même qui voulait participer, ou même qui voulait aider dans le projet, pour faire ça. Et je dis, c'est encore un grand jour, c'est l'anniversaire de Toto. En gros, boss émission, en gros fanatique émission, premier fanatique Yannick, qui m'a profité sur ton joyeux fête avec Eugène Gay. Ça, c'est un fan inconditionnel, c'est support moral émission, c'est support physique émission, c'est réalisateur émission, tout. Donc, merci en pile. Parce que toujours là, toujours dans l'équipe, mon éditorial là, on a staff là, on est derrière, on est papa, on est parrain, on est tonton. Donc, merci en pile. Et bon, nous parlons là, nous parlons pour nous parler pays, nous parlons pour nous ouvrir des bayons. Maintenant, nous en bas chat live là, réagir, interagir, parce que c'est ça nous qu'a fait, c'est pays nous qu'a parlé, c'est dénoncer nous qu'a dénoncé gang yo, bandi légal yo, bandi à cravate yo. Et on a fait un petit parler tout, oui, de l'ancien président Michel Martelly. Parce que nous avons un programme joué, tout le monde fait, donc il faut que nous parlions pays. On a dit. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h,
suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Depuis bien quelques temps là, nous ouais en Haïti, pays a fait face avec une insécurité grandissante. Je ne parle pas de insécurité, je parle de insécurité dans toute forme. Que l'insécurité alimentaire, que l'insécurité criminelle, quand on a une gang qui a terrorisé la population, que c'est l'insécurité économique par rapport avec l'inflation qui gagne, nous pas qu'à contrôler l'économie, nous, petites entreprises, petites et moyennes entreprises, yon a effondré, tout bagaille ça, yon a un seul lien, yon a un seul base, yon a un seul dénominateur commun, la politique. Tout ça n'a vivre de dans pays là que c'est insécurité que c'est crime que n'importe ça lié à une seule base politique. Maintenant nous garder acteurs politiques, on nous garder responsabilité acteurs politiques, on nous garder bonne volonté, on nous garder bonne foi pour nous est-ce que réellement nèg yo gen intention, yo gen bonne volonté pour yo retirer pays en sa lien là pour yo mettre Haïti de l'avant. Parce que moi-même m'y a bien longtemps depuis m'a fait éditorial ça. M'y a bien longtemps depuis m'a fait travail de sensibilisation ça. Si m'tap koute des séries de zami de proches émissions, m'tap koute famille, m'tap bien travail va longtemps. Parce que l'homme jeune des séries de moun kap doit petit mon konn bagay, ma fille chérie écoute. N'a vive non pays côté la vie moun pas respecté. N'a vive non pays côté que son jungle. N'a vive non pays côté que jouet lancer tout civis. Nègwe kap dou livre les changements pour Haïti, c'est lui même kap krasé pays. Nègwe kap dou livre les sécurité pour Haïti, c'est lui même kap bay zam nan quartier populaire, c'est lui même qui gen groupe gang, c'est lui même kap financer violence en dedans pays. Donc qui paye ou vle changer là? Qui paye ou vle contribuer nan changement là? Qui kote ou pral passer pour Haïti changer? M jwenn discours sa yo. M jwenn modèl dialogue sa yo, m jwenn moun ki a ban mwen discours sa yo. C'est pas pour vous décourager, moi me souvle c'est pas pour vous décourager parce que yo gen intérêt pour yo en sécurité, yo gen intérêt pour yo la vie me safe, yo gen intérêt pour yo protéger moi. M pa wèl comme moun k'ap décourager, non wèl comme moun ki gon sentiment pour moi, un sentiment de fraternité, un sentiment d'amitié, d'amour qui me protéger. Mais bon dou, si nous tout levé nous dit n'a pas évade, nous tout levé nous dit OK pas gen problème. Et SDP vle pran pays pour quoi yo, Ariel vle pran pays pour kol, PHTK vle pran pays pour kol, Yuri Latortu vle pran pays pour kol, nèg sa yo ka financer la mort sans jour, ka financer 400 maozo, ka financer izo yo, yo vle pran pays pour kol. Nous tout choisi nous mariti paquet nous aller, ou bien nous choisi nous rentrer consciemment dans majorité silencieuse dans nos fameux bouche nous. Donc c'est légué nous baise et vague nous baille. M'am dit nous ça Haïti pas pour nexayo, Haïti c'est pour nous toutes. Et nous revenons dans situation là et m'a dit nous très clairement. Nous revenons dans situation côté que payant pour rien. Ou Haïti, Haïti pour rien. Dans tout ça qui passe là payant pour rien. Institution pour rien. C'est haïtien qui empêche nous vivre dans pays nous. C'est autorité ça yo, ça nous gen là yo dans tête l'état cap diriger qui empêche nous vivre dans pays nous. C'est politicien ça yo nous gen là. Qui mette dans tête yo, si décision pas saute dans camp yo, décision pas saute dans bois yo, pas gen aucun consensus cap jamais joindre, pas aucun dialogue qui ca initier vraiment pour aboutir. C'est eux même qui fait nous tort, c'est eux même qui fait nous abus. Et m'a dit nous ça. Gon paquet nèg la, gon paquet politicien, gon paquet acteur politique. Que le CSDP yo, que le nèg za yo, que ta famille la va sou bien l'autre camp yo. Nèg ka fait politique en Haïti, yo tan kou ravèt. Permettez-moi l'expression. Yo tan kou ravèt. Yo pa ka manger a yo gatel. Et nous fait expérience à plusieurs reprises. Nous wè sou Jovenel Moïse, gon paquet nèg ki te mette tchou ensemble. Nous te gen diopod, et nous pa gen diopod. Nous tenons dire pas pour qui ça non logique, yo tout mettre tête ensemble, yo font structure là pour qui ça, pour yo ka organiser manifestation, pour yo ka barricade avenue, pour yo ka mettre moun dans la rue, pour yo ka faire initiative, faire mouvement populaire. Là yo te gros objectif commun, yo faire front commun. Maintenant,
Là pour yon rentre dans la logique vraiment pour yon déstabiliser pouvoir, pour yon regarder qui est-ce qui pral constituer l'après Jovenel Moïse, qui est-ce qui pral occuper tête l'État, soit dans des adieu pas de graser. Et là adieu pas de graser, chercher moun sa yo qui initie mouvement pour yon te vin craser le voilà, surtout pas joine yo. Ou pas joine yo parce que ces gens doulan, yo pas ka vin président, yo pas ka assurer transition, y a craser mouvement plate. Jodi an là poser tête question pour qui ça pas ka gon consensus, pour qui ça pas ka gon dialogue réellement au franc parler en différents acteurs yo, en différentes structures politiques yo là. Si Ariel Henry t'a prend majorité, majorité nèg qui t'est influenté, alors t'es prend l'autre prend André Michel. Ou bien dis-moi, là pas j'aime dans des mouvements qu'a fait pour qui ça, parce que li nan pouvoir. L'autre prend imité, ou prend une force, ou prend vérité. Côté nèg là oué, yo na encore en septembre Ariel Henry. Maintenant, ou vin gon l'autre petit structure, gon l'autre petit groupe qui relait tête li BSA, qui relait tête li encore Montana, yo fusionné avec PEN etc. Mais nèg sa yo ki réel poids yo gen, ki vrai force yo gen sou balance. Sou balance politique là. Ki sa yo représente, ki sa yo vaut. Donc ou vin rentre dans logique puisque poko gon ouverture, poko gon filière pour nèg la rentre dans pouvoir et puis s'entendre à là. S'entendre à nouvelle formule là, d'autant pas que consensus, d'autant pas que dialogue, sécurité pas ka rétabli dans pays. Donc c'est pas qu'on maman papa k'ap goumen et puis ti moun yo c'est yo k'ap paye pot kase, c'est yo k'ap paye conséquence là. Maman fâché à papa ou pas manger, maman fâché à papa l'école ou pas paye, maman fâché à papa ou pas changer rad. C'est ça ici à vivre dans pays en journée aujourd'hui. Puisque pas ka gon entente, puisque pas ka gen consensus qui joine en différents acteurs politiques, en différents souches, en différents secteurs, jodi an, insécurité à la faire agent dedans pays. Hier, près de 6 machines, groupe 400 Marozo, yo pote aller avec tout moun ki la dan yo. Kidnappé moun yo, pote moun yo aller, pour qui ça? Parce que pas ka gen entente politique, pas ka gon franc parler en différents acteurs politiques. Ou pral fèm konnen que c'est l'autre problème pays a gen. Pays a gen tout droit tout l'autre problème insécurité, zam illégal k'ap rentre etc etc. Tout ça c'est des problèmes politiques, c'est des risques politiques yo. Kounye ou pral mande m ou sont les pays amis d'Haïti? Côté allié Haïti yo, Haïti pa gen zami. Haïti pa gen zami. Seulement gen des pays qui là en diplomatie, OK, ou gen des relations diplomatiques avec Haïti, mais qui a géré propre intérêt yo. Le États-Unis voye ambassade, il veut échanger d'affaires, c'est pour gérer intérêt Haïti, mais pour venir gérer intérêt par en Haïti. C'est comme ça pour appréhender bagay yo, c'est comme ça pour comprendre, pour entrer nan bagay yo pour ka comprendre. Le Canada voye ambassadeur licite, li voye échanger d'affaires, changer de mission licite, c'est pas pour venir défendre Haïti, mais plutôt venir défendre intérêt Canada en Haïti. Donc comment pral chita la ka wap krasé? Sécurité ou pas ka jwenn sécurité ou pas encadrer la police ou pour pral attendre que ces paysans mi Haïti yo qui pral voyer sécurité pour ou qui pral voyer tout pour venir rétablir sécurité la kay ou jamais. Jodi an faut bon volonté, faut gen détermination par bon côté acteur yo avant tout pour yo chita ensemble pour yo chercher une solution avec crise politique pays. Parce que jouer une solution avec crise politique là préalablement, c'est jouer une solution avec insécurité, c'est jouer une solution avec instabilité qui est là. Parce que tout problème qui généré là, c'est des problèmes politiques qui ba nous ça nous gen la terre, qui ba nous iso, qui ba nous tilapli, qui ba nous mano, qui ba nous la mort sans jour, qui ba nous yon, qui ba nous tout gang za yo, qui ba nous tout chef de gang za yo. Nous pas réaliste. Nous même haïtiens nous pas réaliste. M'a dit nous ça fait nous pas réaliste. Parce que ou pas qu'attendre, ou pas qu'a dit mou tande non, ou pas qu'être nèg qui a terre là qu'a fait politique, c'est eux même qu'a bay zam, c'est eux même qu'a bay zam dans ghetto, c'est eux même qu'a bay zam dans quartier populaire, c'est eux même qu'a paye gang, qu'a paye bandi, qu'a financer bandi. Gon l'autre bagaille là qui est extrêmement frustrant. Li frustrant, m'ra le dou. Dans mon connaissance mon intelligence qu'a garder Yannick, qu'a tande là. M'ra le
tout ça qui passe. Comme vous pouvez comprendre, on pas qu'être nègre, on pas qu'être acteur politique, c'est eux-mêmes qui gagnent, qui là pour prendre décision politique dans le pays. C'est eux-mêmes qui responsable de l'avenir nous dans le pays. Et puis pour nègre ça, on doit comme ça, d'autant pas qu'il y a un consensus, d'autant pas qu'on chita parler qui fait vraiment crise ne va pas résoudre. Comment crise va pas résoudre d'autant pas qu'on consensus? Bon, nous on bagaille. Le nègre parle d'autant pas qu'on chita parler qui fait crise ne va pas résoudre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire insécurité qui est là, son insécurité politique. Ça veut dire kidnapper, kidnapper, gang cap terrorise, violer, violer, c'est des problèmes politiques. Et vous clair, sous ça, vous comprendre ça. Docteur Ariel Pachita avec Montana, docteur Ariel Pachita avec Monsieur Peño, docteur Pago consensus qui joue tout bon, pas besoin de kage sécurité, pas besoin de kage la paix rétablie en dedans pays. C'est quoi VPNH a fait? Parce que récemment là, et semaine qui se passe à la, m'a gardé information yo. Gon juge qui est le juge Mara, qui la gon gros chef gang, oui. Un gros chef gang qui te rentré dans le commissariat tue un inspecteur. Oui? Juge a laissé la gueule pendant que conscient que nèg ça sont criminels. Qui est-ce qui est derrière libération? Qui autorité derrière libération ça? Qui homme politique qui derrière libération ça? Donc nous voulons comprendre jodi a la, oui, il faut bon consensus, oui, il faut bon dialogue, mais d'autres pas gagne l'insécurité à continuer à coller dans des gwen nous. D'autant pas que consensus sans qui joue non, ou même qui n'a diaspora, pas j'aime qu'à rentrer dans le pays, ou pas toujours être à distance de un téléphone, ou pas j'aime qu'à venir mettre plus à terre pour bataille. C'est ça que vous faites nous comprendre, c'est ça que vous voulez faire nous croire là. Est-ce que nous avons toléré insulte ça? Est-ce que nous avons toléré affront ça? Ça est désagréable, net allé. Ça est désagréable. Et l'autre bagaille encore, l'autre bagaille qui moi va le dire tellement m'ri m'crier en même temps. M'ri m'crier pour qui ça parce que m'tapte dans sondage qu'a fait. Sondage a fait des séries de monde qui prend plaisir aurait les plusieurs fois pour voter pour même monde. Nous comprenons ça. Nous comprenons ti manisa nan haïtien yo, nan frèn jwenn yo. Mais ça qui pi droit là, bon dame qui relè dame nan alors pour qui a souvle voter? M'a voter pour André Michel, pour qui ça? André Michel, il était initié pour ces Petro-Caribé. C'est quoi l'affaire? Qui ça bagaille ça? Yo, dis-moi voter pour un nègre pour venir président au pays parce qu'il était initié pour ces Petro-Caribé. Donc, et après, et tout reste bagaille André Michel fait la République, yo, tout le temps il cause à pays. Ou pas prendre ça en compte? Ou bien, c'est parce qu'on tellement militant, tellement allié SDP, ou bien on son petit ménage André Michel, puis ils ont fixé les lèvres, bah, qui faut choisir ou à voter André Michel comme prochain président pays parce qu'il était initié pour ces Petro-Caribé. Gan l'autre qui relé ou dou, ah, m'a voté tel monde parce que gen li son papa bon cœur. L'a voté tel monde parce que moun nan li kon partager pa manger pou kòl. Ki pa ki moi même m'a mandé tête moi est-ce que haïtien son problème ni gen? Nous parler haïtien gen problème éducation, là bagay ça dépasse son problème éducation. Ça n'a vivant de dans pays il dépasse son problème éducation moun nan li mette avenir pays nan men moun parce que li son papa bon kèl pa manger pou kòl. Mais mam dou le nèg lan li non radio vin raconter le problème ou ki to parler. Le zami nan diaspora bien zami ka vivant en Haïti li dit que pas de problème la pédo la voir 50 100 dollars pour les dos et réaliser son gain comme projet son ka ou besoin payer la pédo la pédo payer kay lan. Mais papa Boké, c'est pas lui même parce qu'elle t'a choisi pas vous parler dans micro là. Moun sa yo qui choisit do que l'en Haïti que l'en diaspora, c'est eux même. C'est eux même qui prend initiative là, c'est eux même qui gagne cœur dans main, c'est eux même qui veut aide, mais c'est pas moun nan qui bon micro pour parler, t'a choisi pas bon micro puisque la faut travailler estimer problème ou le toucher, li bon parler. Mais est-ce qu'on pour ça qu'a prend avenir au pays 5 ans de gouvernance pour mettre sous le monde parce qu'elle t'a bon parler dans micro? Parce qu'elle te bon enveloppe à 25 000 goud, donc ou prend avenir 12 millions moun ou mette sous épaule moun sa. Haïtien, moun, franchement, non. Nous mérite pour une passe. Ouais, c'est à te plat kounia pour émission ou fait pour moun yon ka comprendre. Je dis pas parce que nèg lan ka bon mot so pe an lo sikre pour dou se li même ou pral choisi vote. Oh, n'a vote chose de chansi parce que li développe commune ni.
En tant que député, c'est responsabilité, c'est responsabilité. Ou un sénateur qui est responsable de mon département, c'est responsabilité de développer le département. Ou un magistrat, c'est responsabilité de développer la commune. Mais en dehors de ça, qui est-ce qui est le capoté de positif pour le pays, qui est le capoté de bon pour le pays? C'est comme ça que nous faisons une étude basique au candidat. Mais haïtiens, moi, nous toujours émotionnels, nous continuons à faire choix émotionnels, nous aspirons à voter des gens parce que nous avons un bon cœur, parce que nous avons développé la communauté, parce que nous avons mangé avec nous, nous avons mangé avec nous. Donc là, nous ne pouvons pas répondre à ce pays. Si c'est comme ça, on a toujours des gangs à eux là. Si c'est dans la logique, ça, on a toujours des compatriotes qui ont volé en République Dominicaine. Quelle est-ce que tu veux ça? Donc là, on regarde la vidéo, ça, il pas touché que nous pensons, dans la ligne, nous prenons la République Dominicaine, a jamais envie pour louer Haïti avancer, pour louer la stabilité en Haïti, pour louer la sécurité en Haïti, jamais. Puisque le besoin de d'œuvre, nous, mais d'œuvre à vous marcher, le besoin, il y a poussé l'eau, il y a fourni matériel, moyen matériel, moyen financier pour créer stabilité en dedans pays, pour mettre en sécurité, pour simer la trouble. Pendant que même, il y a ouvri deux bras pour prendre d'œuvre. Quand il y a là tout boss maçon qui était à Haïti, il est rentré en République Dominicaine sans papier. Ah oui, il y a employé sans papier. Parce que y a besoin de sous chantier pour travailler. Mais après ça, le pour payer, au compte ça y a fait, il y a prélé immigration pour eux. Il y a prélé immigration. Et je regarde dans cette vidéo, ça c'est comme ça que vous prenez le pendier, vous voyez quoi en bas. Ça sont à fond. Ça c'est humiliation. Ça c'est pas comme ça que vous traitez les gens. C'est pas comme ça mon traité monde. Ça arrive là parce que nous pas les autorités, nous pas fait pays. Et moi même toujours contre tout le monde qui rentre dans pays monde de manière illégale. Pays monde n'a pas en savant, nous pas ca jour pral et puisque c'est pays voisin ou ca passer en bas fil ou entrer en République Dominicaine jovle. Non. Yo gen principe yo. Donc ou obligé gon visa, un visa tourisme ou bien sou gen carte de résidence ou pas gen problème. Bon façon pour rentrer dans pays monde non, mais c'est pas l'on fin rentre dans le pays moun nan. Yon fin emploi, yon fin boti job la. Et puis koun yon le pou yon paye, c'est immigration yon vin, yon voye sou récif ou. Yon fò monte sou récif immigration, yon voye l'anfisti ou anou. Non! Nou pas fè pays. Moi m'ta mande, l'autorité nou yon, le Jean-Victor Généry sa gade vidéo sa, parce que c'est lui même qui ministre affaires étrangères koun yon. Le la gade vidéo sa, est-ce que le pagé ou est mort? Est-ce que le pagé ou est mort? Parce que jodi an la, haïtien perdu orientation, haïtien perdu ça fait le monde parce que nous pas gen moun nan tête institution yo, nous pas gen moun nan tête l'état. Yo traité haïtien comme si autorité yo pense leur traité haïtien tant qu'on val pas leur ironiser nous, leur pas garder nous tant qu'on moun, c'est seulement moun ça yo humilier, yo humilier non, yo humilier tout ton pays. En tant que ministre affaires étrangères, yo humilie tout parce qu'on pas fait travail, on pas dit bon, j'ai vu toi générer ça moi même t'a demandé franchement qui ça l'a fait là toujours. Parce que nous rentrons dans la logique, il y a la gouvernement dans ces bagages de tes amis, ces bagages alliés, ces bagages consoliés. Donc c'est normal, mais si nous avons fait pays tout bon, dès que Jean-Victor Généris a braché son côté le déposer derrière lui. Parce que par qui ça l'a réglé dans la tête et diplomatie haïtienne? Non, là, par qui ça l'a réglé? Par qui ça l'a réglé? Nous venons rentrer dans la logique, là, nous voulons faire pays. Pas de problème, faut que nous reconstruisions Haïti, faut que nous remettions comme un pays, côté principe à respecter, valeur à respecter. Mais pour nous faire pays, faut que nous gagnions. Nous tous les gens, pas de problème. Nous connaissons les gens qui vont dire, oh, après, on est en train de me pas manquer de dégâts. Pas manquer aucun monde de dégâts, respecter tout le monde. Mais pour nous faire payer, il faut que nous gagnions. C'est qui modèle monde? Parce que nous avons bien longtemps à faire politique à terre là. Nous avons bien longtemps à faire politique dure à terre là. Et je vais vous dire un bagaille. Où est sous Aristide, sous Préval? Je vais dire ça très honnêtement. T'es une politique, c'est politique senti bon, t'as fait. Et pas politique vagabondage, moi, n'exa yon fait là, non? Ha! Parce que, jodi a la, ou vin, nous te dit, grand moun yon échoué, nous besoin jeune qui pour rentrer dans la politique là. Ou quoi pas qu'être gentil nègre là? Moi, m'a gade, franchement, m'a dit nul. Moi, m'a pren ancien député Tolbert Alexis, moi, m'a demandé, contre conviction n'exa yon. Conviction, le pas à jeune garçon ou à tout courage ou te ka travail, chercher travail pour faire ou rentrer dans politique ou te député ou fin député ou n'y a ou pas jouer l'autre travail pour faire cette choule pour faire esquier pour faire peut-être malette pour faire non ou ka offrir pays à plus toujours ka utile pays à l'autre gens. Donc c'est ça, m'vle nous comprendre.
n'a fait politique, n'a fait pays avec qui moun, qui modèle moun. Parce que Haïti pas aucun problème, c'est moun yon problème non. C'est mon problème là. Parce que moi, humiliation, moi, compatriote, nous apprenons en République Dominicaine. Humiliation, moi, compatriote, nous apprenons sur le prend là, en bas contre Texas. Tout ça, c'est irresponsabilité autorité. Yo. Et moi, yon fait carré à continuer prendre route pour quitter le pays. Yo. Yon fait carré continuer à prendre bateau. À prendre canne pour quitter Haïti. Yon fait continuer à risquer la vie. Yo. Et récemment là, ça passe en République Dominicaine, affrontement qui t'a gagné entre agent immigration avec aux sortis haïtiens sans papier. M'a dit nous, moi même t'ai attendre moi au moins t'a gagné haïtien qui t'a réfléchi dans mitan yo, t'a gagné haïtien qui t'a pensé qui t'a un minimum de compréhension parce que ou pas qu'à ouvrir roche comme ça soit agent immigration yo. C'est vrai, on fait nous injustice, c'est vrai, on fait nous abus, nous fin travail yo pas payé. Nous même faut nous penser avec Haïtien derrière yo, faut nous penser avec représentant qui gagne ou gen papier en République Dominicaine yo gado mal aller voir sou pa gen papier même. Donc depuis jour qui ça gagne, c'est pas pour te bourre gagne sou haïtien yo, c'est pas pour te bourre qui gagne dans zone. Non, on t'a regarder vidéo, bon agent immigration qui prend coup de roche. Nèg là soit attendre al kokoy oui, il prend coup de roche, il court, il tombe, il tombe encore, il lève, il tombe. Donc c'est l'autre à comprendre, pas d'aime regarder nous danger, t'a toujours gagne représailles, t'a toujours gon pote bourre qui fait. Donc je dis en logique là c'est qui s'allier, chercher mettre en règle. Chercher mettre en règle. Nous on j'aime t'on invité dans l'émission. Et c'était responsable organisation l'autre bois République Dominicaine qui t'ai relé Fodepec. Je dis c'est qui ça Fodepec fait pendant tout problème ça. Ah oui. C'est qui ça opposé comme action parce que nous besoin des organisations République Dominicaine si réellement des organisations ou en République Dominicaine c'est pour aider compatriotes. Je dis là nous avons besoin plus que tout. Yo besoin mettez pio à terre pour garder comment ka aider dans processus pour joindre carte de résidence. Nous besoin ça. Donc là moi même m'a dit nous très clairement. M'a dit nous nous t'attend que tu pral gen entente au consensus qui t'est fait entre Ariel Henry avec avec Akon Montana. Mais pas oublier comité médiation ça qui mettait campé qui gen là dans monseigneur Roger Beauvoir. C'est la lime de madame la lime qui te mettait le campé. Et puisque madame la lime li te mettait comité médiation en campé, c'est là dans le pour passer. Or il lave mel nan cause rencontre avec Magali, pas gen cause Albert Champagne ensemble encore. Relation crasée, relation divisée. Nous pral comprendre que tout ça qu'a fait là li pa nan intérêt pays, il y a pas cause de dialogue qui dans intérêt pays en vrai. C'est blanc qui a passé, l'autre c'est blanc qui a passé qui a décidé. Donc là on prend petit pause mon gars, on a pour retourner, après parce que gen bagay pour connait toujours. Nous avons deux produits ça yo qui c'est des outils et des bagages. Yo chaque venu dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Yo chaque c'est pour un mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il peut décalcifier le corps carveneux, tissu sponge pénétrant pour augmenter l'élasticité tissu de l'homme. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir de graisse blanche médicinale. Et but ultime, c'est faire l'organisme produire en pile hormone testostérone qui prend la rouge à les libido. Il va faire ça en plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'il joigne une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-846-9776. www.zestofmoringa.com. Merci Yannick, bienvenue dans l'espace international là. Moi c'est Makin Love Gloire, directement content pour parler avec nous pour nous capable présenter l'actualité qui a dominé sur l'international. Pendant dernier moment ça yo, guerre en Ukraine lui-même toujours été occupé place première sur scène internationale là par rapport à information plusieurs controverses qui gagnent dans question hein. C'est ça qui vient rendre que sujet ça lui-même lui préoccupé en pile monde. C'est vrai qu'il y a un pile l'autre bagarre qui a passé mais toutefois nous connaît et la Russie lui-même l'était lancé jeudi 24 février qui était passé à yon opération militaire que li relé et occident eux-mêmes yo parlé de invasion et de l'Ukraine et deux jours après que yo même yo te reconnaître indépendance territoire séparatiste qui gagne en Ukraine qui c'est dans région Donbass. Donc président russe lui-même Vladimir Poutine l'été bail signal avec hostilité au côté que président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même l'était exhorté
européens pour capable agir pour permettre que eux même capable garder comment on fait face ensemble avec la Russie qui vient pour capable détruire craser toute base militaire craser tout ça qui existait globalement en Ukraine selon déclaration Volodymyr Zelensky. Donc gagné et plusieurs décisions qui prend pendant dernier jour ça et côté que principalement un président turc là lui-même qui c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même qui réagit suite à question demande d'adhésion Finlande et la Suède fait pour les capables de rejoindre l'OTAN. Hein. Côté que le président lui-même les qualifiait décision ça comme on niche terroriste parce que il dit pays ça yo tant que Suède ensemble avec Finlande yo même yo c'est des pays côté qui héberger terroriste la caillou la parler spécialement de PKK qui c'est un groupe terroriste ensemble avec YPG côté que il parlait de parti travailleur Kurdistan qui c'est PKK et allié qui Kurdistan iranien irakien et de l'IPG yo même yo c'est des groupes terroristes actifs qui gagnent dans région moi et la Turquie lui-même lui dit que bagaille ça pas de fait et yo pas de accepter que la Suède ensemble avec Finlande pour capable rejoindre autant parce que lui-même yo préoccupé vraiment par sécurité par d'abord l'en considérer que la Turquie lui-même lui fait partie de pays qui a lutté en pile face à phénomène terroriste dans région hein sans pas oublier parler de Kurdistan qui c'est un territoire qui formé en partie de la Turquie en partie de l'Irak et la Syrie qui viennent former et zone territoire ça à côté Kurdieu même il y a bataille depuis pas mal de temps pour eux même capable prendre indépendance que me songer que nous t'ai parlé déjà dans l'autre vidéo qui t'est passé autre que ça gagne l'autre décision qui prend côté que Vladimir Poutine même Jean qui nous dit dernièrement nous t'ai dit ça là que l'Europe l'Union européenne eux même t'ai prendre décision pour t'être capable déclarer persona non grata avec des personnalités ou des diplomates russes et là Russie lui-même est venu expulser 34 diplomates français et qui symbolisait globalement un impasse côté que dialogue là lui-même entre Poutine et Macron et relation qui gagne entre la France et la Russie et yo même yo vini non situation qui est vraiment difficile parce que ça a prouvé clairement c'est rejet de négociation c'est affront qui a gagné qui capable gagner vraiment et puis red sur terrain hein, et surtout l'en considérer riposte que lui-même et Moscou lui-même il était gagné après expulsion plusieurs dizaines de diplomates pali dans mois qui sont passés au côté que lui-même il était venu faire des interventions et avec des combats à rage dans la région Donbass. Donc réplique là lui-même il tape attendre, il y a un peu le monde qui tape attendre ça automatiquement mais sûrement que la Russie lui-même il tape envisager des stratégies, c'est vrai que occidentaux eux-mêmes ils parlaient de problèmes qui peut-être que diplomatie russe lui-même il tape faire face ensemble avec lui par rapport à en question de surménage qui permettent que yo gagne trop activité, trop préoccupation qui fait au pas réagir à temps mais bon côté pas Moscou c'est peut-être des stratégies que tu as mettre en place pour capable connait qui gens yo pral gain pour capable attaquer donc Moscou lui-même il a annoncé expulsion de plusieurs dizaines de diplomates européens qui en poste en Russie et surtout par rapport à mes dernières décisions qui ont été prises contre lui-même moi qui t'ai passé et ensemble avec expulsion des diplomates russes surtout pour parler de il était parlé de questions qui lient ensemble avec espionnage pour eux-mêmes et après convocation que plusieurs diplomates eux-mêmes ont été joints par le ministère des Affaires étrangères à Moscou, ambassadeur français, espagnol et italien eux-mêmes ils ont expulsé eux, il y a 34 pour la France, il y a 27 pour l'Espagne, il y a 24 pour l'Italie. Donc c'est vrai, chiffre ça paraît très minime par rapport à l'expulsion qui a été faite pour la Russie
dans mois qui t'est passé yo, mais ça montre clairement que volonté et Vladimir Poutine gagne dans bataille qu'il a mené en Ukraine. Donc question lui-même lui toujours été à poser, est-ce que vraiment nous trouvons nous non impasse côté que hostilité à lui-même c'est peut-être souterrain qui pral gain pour capable bailler réponse ça avec ça qu'il a, est-ce son stratégie tout pour capable demander et occident ou bien européen pour capable venir renégocier venir ensemble avec l'autre formule de discussion nous pas connait, mais toute cette celle ça nous sûr c'est que conflit qui déclaré là et tant ça par rapport à action qui a passé là haut tant ça lui-même il pas temps pour que dialogue lui-même il possible encore parce que là le rejet de la diplomatie au détriment de la guerre ça veut dire exactement ça veut dire c'est moun qui gagne plus d'âme non moun qui gagne plus force ça c'est lui-même qui pourra gagner pour capable mettre en application qui pourra gagner pour capable remporter la maiole là ça veut dire diplomatie à lui-même dans tout pays lui marcher ensemble avec l'armée donc dans le moment où la diplomatie a échoué c'est l'armée qui pourra le mettre en application surtout l'en considérer stratégique la Russie lui-même l'a utilisé depuis pas mal de temps dans le moment où il sentit gain faiblesse lui mandé soit un cessez-le-feu en négociation le temps pour permettre que lui-même les capable réactiver troupes liou et sans pas oublier que l'Occident porté yon aide énorme ensemble avec l'Ukraine pour capable résister face à et la Russie d'ailleurs nous connaît toute qualité de mesures que l'Occident lui-même il prend non seulement il voit cob ba Ukraine pour lui-même capable faire face ça avec crise économique pour capable jeune ravitaillement pour acheter munitions ça avec armes et cetera il porter assistance militaire pour lui tout il porter technique assistance technique globale pour l'Ukraine capable camper et résister faire face à la Russie et la Russie lui-même bon côté parler li comme son bataille que lui-même il t'a préparé depuis pas mal de temps continuer utiliser stratégie mais décision ça qui fait là et c'est peut-être c'est une décision qui capable tirer espoir qui t'es qu'à gagner pour capable sortir de crise qui gagne par la négociation dans mois ça mais toutefois l'en considérer force diplomatie à lui-même li gagne et diplomatie à tout li pas et pas comme si yon bagarre qui gagne en planifier pour gagner compte mais qui résultat que on joindre automatiquement mais c'est après négociation nous pral connait qui ça gagne nous songe dernière fois yo t'ai entamé processus négociation côté que la Russie t'ai dit de négociation t'ai commencé bien et l'Ukraine bon côté parler t'ai satisfait de pour parler qui t'ai commencé gagne et puis tout de suite après la Russie lui-même il pral venir réagir autrement. Donc ça prouve clairement que bagay yo pas toujours clair dans une négociation pour qu'on qui soit pral joindre et surtout pas trop facile pour courir faire confiance ensemble avec adversaire là même si que nous connaît toujours gagner des résultats que nous a gagné après une négociation qui c'est gagnant-gagnant ou bien gagnant-perdant ou bien perdant-perdant. Donc dans cas ça nous pas qu'à vraiment évaluer et négociation qui t'ai gagné ou comment ça y est mais celle ça qui prouver c'est que souterrain pour question yo t'a négocier a li toujours été là toujours gen bataille toujours gen moun ki a mouri toujours gen bombe ki a tiré et donc nous peuvent vraiment pour que nous pas al tomber non conflit généralisé même gens que nous t'ai dit hier même gens que nous t'ai dit dans plusieurs autres vidéos qui passé c'est que pral retriver non période côté que seul choix c'est la négociation c'est la diplomatie qui pral gagner pour capable boter donc nous espérons vraiment à partir de période ça qui a venir là pral capable gagner un couloir côté que un consensus qui pral déclencher pour nous garder comment nous ca sortir ensemble avec yon résolution dans question ça parce que li a impacté tout monde là ça qui a fait actuellement là donc nous t'es content là ensemble avec nous il les nous t'a dit nouvelle ça yo expulsion diplomate donc c'est ça veut dire clairement ça veut dire et c'est ça porter un pile tristesse ou bien inquiétude bon côté un pile monde parce que qu'on est pour capable finir ensemble avec guerre ça qui gagne là faut que moun deux parties chita sur même table pour négocier pour capable soutenir ça avec une solution et puis pour dire voilà nous finir ensemble avec question ça donc nous connaît orgueil l'homme lui-même toujours fouetter peut-être que c'est ça qui continuer dans la région là et puis
intérêt tout parce que grand pile cob dans ça qui a fait là là nous apprêtons pour nous garder qui côté ça va mener nous merci parce que nous t'ai accepté tendez c'était Makin Love Lawyer c'est arrêté là avec nous on va nous rendez-vous une autre fois pour une autre rubrique bye bye. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, M. Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick.